Oyi na tumo, isi na wamo. Aradi rozimu kodimbo. Ifa neme ne utemo. Amarozimi fengeme. Anyatala kukobo tweza nisi achaye. Biko zanumo abakutana mazuwe. Without you, I am losing my mind. Without you, I am losing it all. Where are you? Where are you? Without you, I am losing it all. Without you, I am losing my Chacha una kwenu. Chacha una kwenu. 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 Kwenu Yesu. Merci beaucoup. Ce n'est pas vrai. Et tu as ma quoi? Aujourd'hui, personne d'entre nous ne quittera ces lieux en vie. Non, tiens, Maka, souviens-toi de tout ce qu'on a fait pour toi. L'amour. Regarde ce que tu m'as poussé à faire. Ekem, je t'aime énormément. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime aussi. Et je vais t'aimer pour toujours. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Et mon peuple sera aussi le tien. Je t'aime aussi. Je t'aime énormément. Ah, Ikem, je dois partir maintenant. Ma mère m'attend déjà à la maison. D'accord, alors. Mais s'il te plaît, promets-moi de venir juste comme nous nous sommes convenus. Oui, je le ferai. Je promets. Ojo? S'il te plaît, prends-moi très bien sur elle. Elle est tout ce que j'ai. Ikemefuna, tu n'as pas à t'inquiéter. Je prendrai bien soin d'elle. D'accord, je te verrai plus tard. Hein? Oh, bye. Uju, un homme comme ça, tu es vraiment chanceuse de lui avoir comme ton homme. Je le sais très bien. Bon, allons-y, ma mère m'attend déjà à la maison. Ifaï, du coup. Oui, maman. Pardon, j'étais en train de travailler et il n'y a plus de l'eau dans ces trucs. Tu m'entends? Allez, prends même un bidon et va priser de l'eau. Tu m'as entendu? Oui, maman. Ogini, je n'ai pas mangé. Fais un peu vite. Hein? Tout ce que tu sais dire, c'est ce que tu n'as pas encore mangé. S'il te plaît, va d'abord me priser de l'eau. Rappelle-toi qu'il faut aller à la forêt pour trouver quelque chose à manger. Maman, mais je dois d'abord commencer par manger avant d'aller puiser de l'eau ou chercher de la chèvre pour la nourriture. Oh, c'est Guiné. Il faut d'abord manger. C'est tout ce que tu sais faire. Franchement, tu n'as pas honte, toi. Hein?
Quoi, maman, tu es malade? Oui, j'ai faim, maman. Tu sais quoi? Je t'ai écouté, je sais ce que je vais faire. Je vais te faire quelque chose, hein? Essaye d'aller à la forêt et trouve quelque chose. D'accord. Tu entends ce que je te dis? Hein? Oui, maman. Tu comprends? Il faut bien écouter ce que je te dis, oh. Oui, tu as compris? Fais ce que je te dis. Maintenant, là, je vais chez la leader des femmes. Je vais la chercher un médecin parce qu'elle est vraiment malade. Et on doit l'examiner. OK? Ah. D'accord. Oh. Qu'est-ce que je vois là? Elle est là. Elle est là. Bonjour, maman. Madame, bienvenue. D'où est-ce que tu viens? Tu as quitté ici ce matin. Et je sais que tu reviens de la maison de ces stupides Ikemefuma. Tu sais que nous n'avons rien dans cette maison, même pas à manger. C'est quoi ton problème? Hein? Dis-moi un peu. Maman, je suis désolée. Je parle fait. Non, désolée pour toi-même. Continue avec cet allure. Parce que tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire. Tu finiras par le regretter. Tu vas regretter de te donner à ces vauriens de Ikemefuna. C'est quoi ton problème? Bien. C'est ce que tu sais faire. Vraiment, donc, si j'ai très faim, moi. Oh, va là-bas, fais quelque chose avant qu'elle vienne préparer la nourriture. Et quant à toi, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. C'est moi, ta mère, qui te le dis. Tu entends ce que je te dis? Parce que ce qu'un vieillard voit, même s'il est assis, même si tu montes au sommet d'un arbre, tu ne peux pas le voir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et tu ne vas jamais le comprendre. Mais je te laisse faire. Parce que je ne sais pas c'est quoi ton problème. Les conséquences vont mieux te corriger. Madame, tu as entendu ce que je t'ai dit? J'étais déjà sur le point de sortir. Je m'en vais à la maison de la leader de femmes parce qu'elle est très malade. Je m'en vais avec le docteur du village. Il doit l'examiner. Fais tout ce que je t'ai demandé de faire. Rassure-toi de préparer la nourriture et prends bien soin de la maison. Une fois que tu auras fini tout ça, tu peux aller chez Ikemefuna. Il n'y aura pas de problème. Hmm? Parce que c'est ce que tu veux. Je le sais très bien. Tu m'as entendu? Moi, je m'en vais. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Madame Elisabeth, elle est vraiment malade. Et elle doit être dépêchée pour un grand hôpital en ville. Et même pas pour une de nos cliniques ici. Hey, en ville. Hey. Madame Elisabeth, s'il vous plaît, je vous en supplie. Faites quelque chose pour ma maman. Je vous promets que lorsqu'elle va se rétablir, nous allons vous rembourser, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour ma maman. Arrête. Je vous en supplie. Arrête ça. Arrête de pleurer, ok? Arrête de pleurer, ne t'inquiète pas. Attends, laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire. Moi ainsi que toutes les autres femmes, nous allons essayer de faire de notre mieux pour que ta mère prenne le soin approprié, ok? Sois tranquille. Parce qu'elle est la leader des femmes. Rien ne va lui arriver, ok? Madame Elisabeth, nous avons besoin d'argent pour l'amener à l'hôpital général aussitôt que possible. S'il vous plaît. Docteur, dis-moi, il s'agit de combien exactement? Incluant le transport et toutes les autres dépenses, nous devons avoir quelque chose comme 80 000 lira. Hey! Hey! Maman! 80 000 lira? Oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Il faut pas. Mais je t'ai demandé d'arrêter de pleurer. Ne t'inquiète pas. Docteur, s'il te plaît, je vais essayer de parler avec les femmes de la communauté. Hein? On va essayer de voir si on peut avoir un peu d'argent. Peu importe ce que vous faites, faites-le rapidement. Je le ferai. Son état. Je le ferai le plus vite. Ifoma, arrête de pleurer, arrête ça. Dès que je quitte ici, je m'en vais dans la maison. C'est bon? Allez, s'il te plaît,
Arrête de pleurer, ça va aller. Ikemenfuna, mon fils. Tu es mon unique fils. Tu es le seul garçon de ma famille. Raison pour laquelle je dois faire tout ce qui est de mon possible pour te faire étudier. Qu'est-ce que je n'ai pas vendu? J'ai vendu plusieurs terres et autres biens. Juste pour assurer ton éducation. Maintenant que tu as rompu avec les études, je pense que tu dois commencer à faire une activité. Je sais, papa. Je cherche qu'est-ce que je peux faire et ça fait maintenant presque une année, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je peux faire. Hé! Mon Dieu! Mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire comme activité? Dis-moi. Il y a un ami avec qui on a étudié qui vit en ville. J'ai essayé de le joindre par téléphone, mais son numéro ne passe pas. Oh! Une fois que j'arrive à le joindre, je vais le rejoindre là-bas afin de me battre. Te battre. Hé! Hey. Allez encore te battre, mon fils. Et ton ami là, qu'est-ce qu'il fait comme activité? Je ne sais pas vraiment. Et lorsque je l'aurai au téléphone, c'est alors que je saurai ce qu'il fait exactement. Bonjour, papa. Ma fille, tu es revenue? J'espère que tu as eu tout ce que je t'ai dit d'acheter. Oui, papa, j'ai tout acheté. Mais j'ai utilisé le 20 naira restant pour acheter à Guidi. Et je le fais tomber en cours de route. S'il te plaît, va faire cette nourriture. J'ai vraiment faim. Toi, avec la nourriture, tu aimes bien manger, toi. Tu aimes beaucoup manger. Tu as fait les achats. Tu es resté avec Venera. Tu l'as utilisé à tes besoins. Tu me trouveras la monnaie. Allez, entre là-bas et apporte-moi de l'eau à boire. Papa. Seulement à manger. C'est l'unique chose que vous savez. À manger. Hein? Avec ça, un jour, vous me ferez passer pour votre viande. Vous m'utiliserez comme votre viande. Mon fils. Revenons à notre sujet. Mon fils, c'est Kemenfuna. Je te dis seulement qu'il n'y a pas assez de temps. Le temps, c'est l'argent. S'il te plaît, mon fils. Fais vite atteindre ton ami. Pourvu que tu partes en ville et commencer une activité. Écoute, je veux que tu sois marié à temps. De façon que tu me donnes le petit-fils. Papa, s'il te plaît, je dois d'abord faire quelque chose. Et après, nous pourrons parler du mariage. Permets-moi d'aller en ville. Et après, lorsque je retrouverai quoi faire, nous pourrons parler du mariage. Aïe! Ça va. Madame Elisabeth, cette maladie de notre leader est devenue très très terrible. Nous devons vite agir avant qu'elle puisse mourir. Si je dois suggérer, je pense que nous devons informer aux anciens à propos de son sujet. Peut-être qu'ils peuvent avoir un peu d'argent pour pouvoir l'aider. Parce que personne n'est jamais mort au sujet dans cette communauté. Alors nous devons l'aider si nous voulons que rien ne lui arrive. Nous devons faire quelque chose. Ça, c'est une très bonne idée. Et je pense que tu dois aller le dire aux anciens et à eux. Ça sera important. C'est très bien. Cette nuit, j'irai voir les anciens hommes de cette communauté, Mazé Okeke. Parce que le docteur a dit que cette femme n'a plus assez de temps. Vraiment, elle n'a plus assez de temps. Alors si nous tenons à la garder, nous devons faire quelque chose pour l'aider. Tu sais quoi? J'aime bien ta sagesse. Tu réfléchis tellement bien. Tu donnes toujours des très bonnes idées. Arrête de dire ça. C'est la vérité de Dieu. C'est vrai. Tu as toujours des très bonnes idées, toi. Oui.
regarde ce que tu viens de dire maintenant, ça a directement donné une bonne solution. Hein? Sais-tu que l'idée que tu viens de donner maintenant là, si nous le faisons pour notre leader, franchement, si quelqu'un d'entre nous tombe malade, nous et les anciens allons tous contribuer pour que cette personne-là puisse guérir. Bam! Là, tu as raison. C'est très intéressant, je te dis, chère. Avant que je ne dise, laisse-moi t'apporter ton couloir. Oublie ça, ma chère. Prochainement, je t'en donnerai assez même. T'inquiète. J'insiste. S'il te plaît, on parle. Oh non. Tu sais, je t'aime énormément. Je t'aime aussi, Nkem. Ferme d'abord tes yeux. Je vais te montrer quelque chose. Que je ferme mes yeux? Oui, ferme juste tes yeux. Ok. Mes yeux sont fermés. Es-tu sûr? Oui. Es-tu sûr? Es-tu sûr? Je suis très sûr. Tada! Tu peux ouvrir. Oh, wow! Allez, tiens. C'est très joli. Et ceci est le symbole de mon amour pour toi. Est-ce que tu aimes ça? Oui, j'ai aimé, merci beaucoup. Je suis content que tu l'apprécies. Et j'ai acheté celle de la couleur rouge parce que tu sais, la couleur rouge symbolise l'amour. Merci beaucoup, Nkem. Je t'en prie. Je peux la manger? Oui, vas-y. Est-ce que tu aimes ça? Montre-moi. Je trouve bon. Chiamaka, je t'ai cherché, j'étais même chez toi à la maison. Uju, tu vas bien? Je vais bien. J'ai passé un bon moment avec mon amour. Une fille amoureuse. Viens, on va aller prendre quelques bois avant qu'elle ait en avance. Je pense que tu dois maintenant partir. Hein? Je ne veux pas que ta mère s'énerve comme elle s'était énervée l'autre fois. Ok, avant que je ne parte, dis-moi que tu m'aimes beaucoup. Bien sûr, tu sais que je t'aime. Je le sais, dis-le juste. D'accord alors, je t'aime. Dis-le encore. Je t'aime, oui je t'aime. Dis-le pour une dernière fois. D'accord alors. Je t'aime énormément, Ichamaka. Je t'aime aussi. D'accord, tu peux maintenant partir. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Écoutez-moi très bien, tout le monde, femmes et hommes, grands, petits, de toute taille, écoutez-moi très bien. Les femmes et les hommes du cabinet ont décidé que toute famille payera la somme de 820 naira auprès du leader de femmes, afin que le leader de femmes aille à l'hôpital général en ville pour son traitement. Si vous l'avez entendu, passez l'information à vos pères et mères et informez aussi à toutes les personnes qui n'ont pas reçu ces messages. Écoutez-moi très bien, tout le monde, femmes et hommes, grands, petits, de toute taille, écoutez-moi très bien. Les femmes et les hommes du cabinet ont décidé que toute famille payera la somme de 820 naira auprès du leader de femmes, afin que le leader de femmes aille à l'hôpital général en ville pour son traitement. Si vous l'avez entendu, passez l'information à vos pères et mères. Et informez aussi à toutes les personnes qui n'ont pas reçu ces messages.
Écoutez-moi très bien. Tout le monde, femmes et hommes, écoutez-moi, écoutez-moi très bien. Monde. Écoutez, écoutez-moi très bien, oh. Femmes et hommes, petits de grande taille, courts ou élancés. Écoutez, écoutez-moi très bien. Les femmes et les hommes du cabinet ont décidé que tout le monde payera la somme de 820 naira auprès du leader de femmes, afin que le leader de femmes aille à l'hôpital général en ville pour son traitement. Si vous l'avez entendu, passez l'information à vos pères et mères. Et informez aussi à toutes les personnes qui n'ont pas reçu ces messages. Écoutez-moi très bien. Tout le monde. Écoutez, écoutez-moi très bien. Oh. Femmes et hommes. Petits de grande taille. Écoutez, écoutez-moi très bien. Les femmes et les hommes du cabinet ont décidé que toute famille payera la somme de 820 naira auprès du leader de femmes, afin que notre leader de femmes aille à l'hôpital général en ville pour son traitement. Si vous l'avez entendu, passez l'information à vos pères et mères. C'est compliqué, hein? C'est qui l'a fait ça, hein? Ce oui, tout le monde. Non, arrête. Arrête, s'il te plaît. Non, mais arrête. Non, mec, ne dis pas ça, s'il te plaît. Marco? Allô? J'ai essayé d'appeler ton numéro depuis la semaine passée, mais je n'ai pas pu t'atteindre. Comment vas-tu, non? Et que me voilà, mon frère. Tout se passe bien. Quand est-ce que tu seras prêt pour ce qu'on s'était dit? Et pour l'affaire dont je t'avais parlé? Il faut qu'on n'oublie pas d'apporter 100 000 naira pour que je te connaisse une fois que tu seras arrivé ici. 100 000 naira? Est-ce que ce n'est pas assez? Mais c'est beaucoup d'argent. Sois un homme. Ne te plains surtout pas pour des sommes comme celle-là. Si tu es un homme, parle à tes amis. Hein? Parle même à ton père. Trouve-toi 100 000 naira et viens avec ici, tu comprends? Comme ça, je vais te connecter une fois que tu seras arrivé. D'accord, alors je vais t'appeler la semaine prochaine afin que je te fasse le compte rendu. Très bien, mon frère. Alors, prends soin de toi. À plus. 100 000 naira. Mais où vais-je trouver un tel montant? Ikemefuna. Je t'ai entendu parler avec ton ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a accepté de me laisser vivre dans sa maison. Et il a aussi dit qu'il va me lancer dans son business. C'est ça être un bon ami. Et maintenant, il me demande d'apporter 100 000 naira avant qu'il fasse quoi que ce soit. 100 000 naira? Hein? C'est une grosse somme d'argent. Où nous allons trouver cette somme? Exactement. Où vais-je trouver cette somme de 100 000 naira? Ah, mon fils, 100 000 naira, c'est une grosse somme d'argent, non? Hein? Même si nous vendons tout ce que nous avons dans cette maison, hein? Nous serons même incapables d'atteindre 20 000 naira. Hey! Hey!
Hey, hey, hey! Mon Dieu, qu'est-ce que mon fils Ikenne Onfona t'a fait? Hein? Je suis incapable de trouver 100 000 naira. Hein? Où vais-je aller trouver 100 000 naira? Hé! Hey! Mon Dieu, accorde-moi ta miséricorde. Hé! Hey! Obiam. Passe ici. J'espère que tu as mis ton argent au complet. Ok, très bien, tu peux partir. La suivante. Au courant, quoi. Tu peux avoir l'échange avec toi? Ok, tu l'as remis. La suivante. Rosemary au camp, quoi. Ok, c'est bon. C'est quoi déjà ton nom? Nkiruka. Oui, c'est moi. Ok, tu as payé pour toi et pour ta mère ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence? Non, pas de différence. Non, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Hé, hey, le suivant. Oui, Anthony. Mbafo. Oh. Vas-y, tourne comme ça. Souza. C'est le cadet, oh. C'est le cadet de Okeke. Allez, c'est bon. C'est qui le prochain ou la prochaine? Oh, allez, viens. Rentre ici. Il y a quoi? C'est quoi ça? Ça ne suffit pas. Ajoute ton argent. Ajoute ton argent, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh, vraiment, c'est pas de ta faute. Ça, c'est qui ça? C'est toi la fille d'Angéline, hein? Choco, ok, c'est combien là qu'il a donné? C'est ces montants que les gens payent. J'y suis aussi malade, oui. Je dois prendre quelques soins. C'est quoi, ajoute l'argent? Arrête de faire de bruit, j'ai dansé par les soins. Ajoute l'argent vite, c'est quoi ça? Prenez. Reviens prendre ta différence. Et c'est quoi ça? Encore la différence? Et pourquoi non, donne-moi vite. Je ne sais même pas de quoi ce qu'elle parle. Je ne comprends rien. C'est quoi ton nom? Ok, Nkiru, la fille de quoi, non? Et alors son poste nom, c'est comment? Attends, je connais son poste nom, c'est Nkiru, Nke, Osobako. Ok. Oui, je connais cette fille, ouais. Obim, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Tu te rappelles de mon ami qui vit en ville? Oui. Il a accepté de me laisser vivre dans sa maison. Et il y a ce business qu'il veut m'apprendre. Il a dit que je dois avoir comme 100 000 naira avant qu'il ne me lance dans cette affaire. 100 000? C'est beaucoup d'argent. Au fait, où vas-tu trouver cette somme d'argent? Je ne sais pas. Honnêtement, je suis confus. Hey! C'est compliqué. Tu sais quoi? Sois juste tranquille, hein? Nous allons toujours trouver un moyen pour trouver cette somme d'argent. Ne sois pas dérangé. Merci. J'ai un cadeau pour toi. C'est vrai ça? Qu'est-ce que bien c'est? Bien sûr. Es-tu sérieux? C'est vrai. Je t'aime aussi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Je suis désolée de venir en retard. Désolée. Comment va-t-elle?
Je viens tout juste de finir de lui donner quelques injections. Qui lui donneront de la force. Et, mais en fait, son état continue à s'aggraver. Vous et votre peuple devez essayer d'élever de fond pour qu'on arrive à l'amener à l'hôpital général. Sinon, nous allons la perdre. Hey, mon Dieu. Oh. Allez, arrête de pleurer, Ozuko, arrête de pleurer. Allez, c'est bon, Ozuko, ne t'inquiète pas, hein? Sois tranquille, ta mère finira par se remettre. Tu m'entends? Docteur, à ce qui concerne l'argent, ce n'est pas encore au complet. Mais le village continue de compter. Pardon, essayez d'avoir cet argent au complet pour qu'on la dépêche à l'hôpital général en ville, aussi tôt que possible. Ok, c'est d'accord, on va le faire. Je peux maintenant partir. Ok, docteur, merci beaucoup. Hein? D'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Qui vous bénisse aussi. Dès que ça serait complet, nous allons t'appeler. Pas de problème. Qu'est-ce que je te dis? Arrête de pleurer. Hein? Ozugo, Ozugo, sois tranquille. Hein? Attends. Hey. Oh. Hey. Ozugo, arrête de pleurer. Allez, sois tranquille. Hein? Ozugo, ma fille, arrête de pleurer. J'avais dit, je ferai de tout mon possible pour que ta mère aille. Hein? Elle est la leader des femmes. Hein? Allez, c'est bon, c'est fini. Ozugo, ça suffit. Florence, sa condition ne fait que se dégrader. Jour après jour. Hey! Madame, tu Elisa, devais la voir. Sais-tu le pire dans tout ça? C'est que l'argent que nous avons récolté n'est même pas arrivé à 6 000. Ogini, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu dis? Franchement. Quoi? Comment expliquer? De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de partir maison après maison pour récolter de l'argent. Parce que toutes ces personnes ont accepté. Oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que maintenant, ils ne donnent pas. Je ne sais pas pourquoi, hein? Tu sais, ils sont supposés le faire. Je ne sais pas ce qui les retient. C'est vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'emmènent pas l'argent. De toutes les façons, ma chère, s'ils le veulent, face à face, nous sommes là. S'ils le veulent tranquillement, nous sommes là. Et même s'il faut arriver jusqu'à la police, nous sommes là. Oui. Tout ce que tu dois savoir, c'est que moi, tel que tu me vois là, je suis en solidarité avec toi. Tout ce que tu vas faire, je serai là avec toi. Je t'envoie dans ces maisons. Va et fais-les très bien. Ah, mais c'est toi qui as le registre. Alors, donne-le-moi, comme ça je vais voir ceux qui ont déjà payé et ceux qui n'ont pas encore payé. Comme ça je pourrais très bien travailler. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Ifaï, Chuko. Ifaï. Oui, maman. Combien de fois je dois t'appeler? Regarde-le. Oui, maman. Je sais que tu dors après avoir mangé. Non, maman. J'ai dormi. Tu dors? Tu n'as pas mangé? Va là-bas à l'intérieur. Regarde juste à côté et emmène-moi mon petit cahier. C'est juste là à côté. Maman. Tu le verras. Fais vite. Voilà, comme je venais de dire, essaye de partir maison après maison. Feu pour feu. Aie confiance en moi. Tu entends ce que Madame je te dis? Madame Elisabeth, aie confiance en moi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. Regarde ça. Hey! Tu as vu ça? Ils sont même pas nombreux ceux qui ont donné. Oh. C'est bon. Oh, je n'ai pas vu le nom de Maziago aussi. Ici, mais ne t'inquiète pas. Même ceux-là qui sont dans les conseils des anciens. Oui, c'est bon. Ils n'ont même pas encore payé l'argent. Dès que tu arrives chez toi, tu le regardes très bien. Et puis, tu vas me revenir. Après, tu iras dans leur maison pour récolter de l'argent. Pas question d'aller chez moi maintenant. Je vais directement chez eux récolter l'argent. Maintenant même. Mais tu dois d'abord regarder leur nom. Oui, je me promène en vérifiant. Je vais le faire en cours de route. T'inquiète, je le ferai très bien. Ok, on se reverra le soir, hein, parce que j'ai encore de trucs à faire. T'inquiète pas. Fais-les très bien, oh. Oui. Vraiment, passe dans toutes ces maisons, oh. Ok, allez, bonne allée, hein. Bonne route, hein. Rassure-toi de récolter tout cet argent, hein. Ogini, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai faim, maman. Toi. Bam. Oui, je suis là. Attends-moi, je viens.
Onye? Oh! Hey! Florence. Bonjour, Marie. Comment ça va? Je vais bien, monsieur. Et ton mari? Mon mari va très bien. Tout va bien? Oui, tout va très bien. C'est juste que j'ai vérifié notre registre ici. Parmi les gens qui ont donné leur contribution pour le soin de notre leader de femmes, tu es aussi parmi les gens qui coordonnent, n'est-ce pas? Toi et ta famille n'avez pas encore donné votre contribution. C'est 820 naira. Florence, je veux que tu me donnes un peu du temps. Je vais payer. Peut-être la semaine prochaine. Mazéago, pourquoi la semaine prochaine? Veux-tu d'abord qu'elle puisse mourir et tu donneras l'argent la semaine prochaine? Mazé, on parle de 800 naira ici. Ne me dis pas la semaine prochaine. S'il te plaît, donne-le-moi maintenant. J'en ai besoin vraiment. Va prendre l'argent, donne-le-moi et je vais partir. C'est peu d'argent, mais je n'en ai pas pour le moment. Mais je vais te payer. Je vais te le payer. Hein? S'il te plaît, tu es en train de m'insulter. Hein? Tu es en train de m'insulter. C'est quoi 820 naira? Hein? Mazéago, s'il te plaît, ce n'est pas que je suis en train de t'insulter. Mais j'ai comme l'impression que dans toute cette maison, vous manquez 820 naira pour contribuer ici. Mazé, pardon. Montre-tu l'argent pour contribuer. S'il te plaît, pardon. Tout ce que ton fils sait faire, c'est marcher dans le village ici avec les filles. Quoi? C'est tout ce que vous savez faire apparemment. Oh, le voilà arrivé. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux imaginer mon fils Kemen Funa? Elle est venue prendre l'argent des contributions. Et je lui ai promis que je vais payer. Elle a commencé à m'insulter. Et plus encore, elle t'a insulté. Que l'unique chose que tu sais faire, c'est courir derrière les filles de ce village. Les poursuivre cherchant à les engrosser. C'est quoi? Madame Florence, quand est-ce que cela a commencé? Ça veut dire quoi cette bêtise? Hey! Pourquoi allez-vous venir dans notre parcelle insulter mon père ou moi? Quand est-ce que cette bêtise a commencé? Écoutez, la seule raison pour laquelle je n'ai pas sauté sur vous maintenant, c'est parce que vous êtes une femme mariée. Sinon, c'est que j'allais vous faire. Je suis sûr que vous alliez oublier les chemins pour sortir d'ici. Elle nous montre ses dents non brossées. Florence! Hey! Qu'est-ce que je n'ai jamais vu dans ce village ici, mon Dieu? S'il te plaît, oh! Ikeme Funa! Donc, tu es là devant moi. Avec tout le courage de me parler de cette façon. Ikeme Funa, que fais-tu dans cette communauté? Au lieu de chercher ce qui est bon pour ta vie, tu sais que tu es promené partout ici dans le village avec différentes filles. Écoute, si tu sais ce qui est très bien pour toi et ton père, vous n'avez qu'à entrer à l'intérieur et me prendre l'argent, le 820 naira dont j'ai besoin. Je ne vous blâme pas du tout. Je me blâme moi-même d'avoir poulé mes pieds dans cette parcelle. Une parcelle de pauvreté. Une parcelle qui fait la honte de notre communauté. Mon Dieu, quel genre d'insulte. Hein? Florence, tu es en train de nous insulter. Tu as les kilos, tu as ce courage. Aïe, tu nous insultes, Florence. Mazéago, ce n'est pas question que je suis venu ici vous insulter. Non, un vrai homme est mesuré par la taille de sa poche. Non, c'est promenant avec le fille partout dans le village ici. Si tu sais ce qui est bien pour toi, Ikeme Funa, tu n'as qu'à chercher l'argent pour valoriser ta misérable vie. Papa, peux-tu imaginer cette femme? Cette femme, Florence, celle qui va partout dans ces villages pour colporter les gens. Mon cette fils. Femme, vraiment, elle ne l'a pas fait en notre absence. Elle l'a fait juste devant nous. Mon fils, calme-toi. Calme-toi. C'est les personnes que les dieux veulent tuer. Avant tout, elles le rendent folle. Calme-toi. C'est la folie qu'elle se promène avec. Calme-toi. Pas de problème. Je sais pourquoi tout ceci arrive. Je sais pourquoi tout ceci arrive. C'est parce que je n'ai pas été en mesure de trouver ces 100 minéraux pour aller en ville et puis revenir. Je sais pourquoi tout ceci arrive. Et imagine un peu. Imagine Madame Florence venir dans cette parcelle nous insulter. Hey! Elle m'a traité de tout et de rien à cause de l'argent que j'ai manqué. Quand tu es pauvre,
on ne te verra jamais dire la vérité. Jamais. Personne ne te croira. Ah, mon fils, viens, 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 viens. Mon fils, oh, oh. Mon frère aisé, s'il te plaît, c'est ça la terre. Je vais hypothéquer cette terre pour toi pendant 5 bonnes années à une somme de 80 000 naira. 80 000 naira, c'est beaucoup d'argent, oh. Papa Ikemefuna, je ne peux que te donner 30 000. Ah, 30 000 naira, 30 000 naira, c'est vraiment insuffisant. Hein? Je le sais très bien, ce terrain n'est pas fertile. Ce n'est que les tarots que je vais chercher à planter ici. Et je peux même ajouter le patate douce. Regarde, regarde bien. Ça commence juste à cette bananier qui est là, jusqu'à à ce chemin. Ça va. Voilà, en bref, je le solde à 50 000. Papi Kemefula, c'est parce que tu m'as raconté toutes ces choses, tu comprends, que je ne peux que le faire à 40 000. Juste pour toi. Si tu n'es pas partout avec ça, tu pourras alors chercher un autre acheteur. Ok, ok. Fais ceci. Agrandis Selma à 450 000. Là, c'est point final. C'est tout ce que je peux faire maintenant. Hein? Pas de problème. Tu es mon ami. Donne-moi l'argent. Alors, viens avec moi à la maison. Comme ça, nous allons signer tous les documents pour que je... Pas de problème. Je te donne de l'argent. Pas de problème. Pas de problème. Tu vas me donner l'argent aujourd'hui. Bien sûr. Pas de problème. Laisse-moi d'abord prendre les photos. Tu es mon frère, voilà pourquoi je te le vends à ce prix. Grand frère, quand tu reviendras de la ville, tu vas m'acheter un bicycle qui aura la même taille devant et aussi derrière, grand frère. Est-ce que tu sais ce que c'est vrai? Je vais porter ça, non? Je vais porter Écoute, ce n'est pas très bon. Non, non, ce n'est pas bon pour toi. Je vais t'acheter une très, très belle jupe. Et tu vas commencer à la porter, c'est ce qu'il te faut. Mais tous ces garçons, lorsqu'ils vont venir vers toi, tu n'as pas à leur répondre. Pourquoi? Lorsque tu seras prête, nous allons te trouver une personne qui sera très bien, qui va t'épouser. Ne suis pas tous ces garçons de basse classe, non, non. Grand frère, je suis toujours bébé. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu dois juste apprendre à faire de bons choix. Papa, bon retour. Merci. Comment vous allez? Oui, bien. Ngozi, tu dois nous laisser papa un peu la place. Hey, j'ai besoin de causer avec ton frère. Simplement parce que vous me prenez comme une petite... Parce que tu es une grande fille maintenant. Ah! Les enfants d'aujourd'hui. Écoute bien. Ikemefuna, mon fils. Ici, j'ai 30 000 naira pour toi. Tu dois me demander comment je l'ai trouvé. Tu vas dire, je l'ai vendu. Non, je ne l'ai pas vendu. J'ai hypothéqué notre terre pour 5 ans. Et on a payé 30 000 naira. 30 000 naira pour toi et 20 000 naira pour moi, pour d'autres occupations, également pour la maison. On va également payer l'argent que cette femme est venue nous insulter. Voilà un peu. Alors, prends, tu sais ce que tu vas faire pour les compléter. Papa, merci énormément. Mais 30 000 naira pour... Mais 30 000 naira pour faire louer une terre, c'est très peu. C'est très peu. Tu devais me dire... J'ai hais mon fils, j'ai hais les insultes. Hein? J'ai hais les insultes. On m'insulte de gauche à droite. Tu le sais bien. J'ai hais les insultes. Je ne les supporte pas. Tu le dis facilement que c'est peu cet argent. Mon fils, s'il te plaît, une autre chose.
J'aime pas la manière dont tu fais des tours dans ce village sans rien faire. Ça me rend vraiment ridicule, ça me choque jusqu'aux os. Hein? Donc, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour me rassurer que mon fils n'est pas inutile. Mon fils est utile. Il travaille, il est utile. Tu comprends? Alors, s'il te plaît, jure ça. Juste, tu peux essayer même de fructifier ça. Ensuite, tu feras une bonne activité. Merci énormément, papa. Je promets qu'une fois que j'arriverai en ville, je te rendrai fier. Essaie juste de prier pour moi afin que j'obtienne un peu plus d'argent. Merci. Tu es vraiment mon fils. Je te fais confiance et je sais ce que tu peux faire. Mon fils, je sais ce que tu es capable de faire. As-tu déjà mangé? Oui, j'ai déjà mangé. Uh-huh. Attends que j'appelle Ngozi qu'elle t'apporte nos dieux. Ngo? Ngozi? Grand frère? Grand frère. Apporte à papa manger. Ok. Nous avons combien maintenant? Je suis encore en train de compter. Ça là, c'est maintenant 30 000. Ce qu'on a collecté aujourd'hui, c'est 40 000. Alors le total va nous faire 70 000. Ah. Mais l'argent ne suffit toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je ne comprends pas pourquoi les gens ne contribuent pas. Hein? 70 000, c'est très peu. Avec toute cette communauté, peu importe, j'irai d'abord voir le docteur, qu'il essaye de faire son possible pour que nous puissions l'amener en ville. Demain ou après-demain, parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce que son état est en train de se dégrader jour après jour. Je ne comprends pas ça. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Parce que son état est très très dangereux. Oui. Pour notre leader, si tu sais comment est-ce que j'ai souffert pour collecter cette somme d'argent, comment est-ce que je me suis battue pour avoir ça? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est bon. Mais donne-moi l'argent. Je vais la garder. S'il te plaît, garde ça très bien. Je vais très bien la garder. Ça serait très bien gardé. Maman, moi je pars à la rivière. Je pars puiser de l'eau. Oh, tu veux aller à la rivière? Oui, maman. Ma chère. Rentre un peu plus tôt. Va vite. Nemo, je t'ai vu discuter avec d'autres femmes. Qu'est-ce qui se passe? Vice-présidente de femmes. Est-ce que tu conseilles ta fille ici? Ok, vas-y. C'est ce que tu me demandes? Non, dis-moi. N'as-tu jamais remarqué comment est-ce que c'est pour moi une partie dans le village ici avec ces bons ariens de garçons? Ce qui m'étonne plus chez ces gars. C'est ce qu'on m'a dit qu'il est soi-disant licencié. Mais il est venu dans ce village et il ne sait rien faire. C'est un fainéant, il ne sait rien. Et la fille avec qui il veut jouer dans ce village, c'est seulement ta fille. Ta fille ne mérite pas ce genre de garrot. Ah, madame Florence. Je parle avec ma fille. Sérieusement. À chaque fois, je te dis. Je lui parle jour et nuit. Veux-tu que je la tue? Non! Non, ne la tue pas, je t'en prie. Alors, ce qui est sûr est que, même plus tard, elle saura ce qu'elle est en train de se faire. Je ne peux pas la tuer, parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir un beau-fils comme lui qui est maintenant. C'est un paresseux. Ma chérie, mais où étais-tu, non? Hein? Depuis que je t'attendais,
Désolée, j'étais avec ma mère. D'accord. Devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une petite bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Raconte. Mon père s'est débrouillé de trouver 30 000 naira et maintenant, il ne reste que 70 000. Je suis très contente pour toi. Hey. Merci. Mais comment vas-tu alors trouver le reste d'argent? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu sais, tout celui qui pourra me donner cet argent. Je jure sur ma vie, je ne pourrai jamais oublier cette personne de toute ma vie. Obim, t'inquiète pas. Tout ira très bien. Sois juste calme. Tu connais cette... la secrétaire de femme du village? Ouais. Sais-tu qu'elle a insulté mon père? Parce que nous n'avons pas payé l'argent demandé. Hé! Hey. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Non, tu sais quoi? Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Nous allons toujours trouver un moyen. Ça ira. S'il te plaît, accompagne-moi à la rivière où Joe m'attend là-bas. D'accord. Allons-y. Si j'étais toi, j'allais faire de mon mieux pour lui donner l'argent afin qu'il parte en ville. Ma chère, s'il y avait vraiment quelque chose que je pouvais faire pour avoir beaucoup d'argent pour le lui donner, j'allais déjà le faire. Oh. Mais il n'y a rien. Je suis vraiment confuse. Ne sais-tu pas que s'il part en ville et qu'il réussisse avec sa vie, et il viendra t'épouser et te ramène avec lui. Exactement, hein? Voilà pourquoi je cherche un moyen pour qu'il trouve cet argent et qu'il parte là-bas en ville. Oju, quel conseil peux-tu me donner? Je ne sais pas. Si j'avais de l'argent, j'allais te le prêter. En fait, hey, que tu lui donnes Ikeme Funasa, un bon homme. Bien éduqué, les rêves de toutes les femmes. Hé! Hey. Qu'est-ce que je veux faire? Hein? Je suis vraiment confuse. Je suis très désolée. Confuse. Désolée, ça va aller. Mais nous devons trouver une solution. Parce que lorsqu'il va réussir, toi aussi tu vas en bénéficier. Prisons de l'eau et partons d'ici. Je veux faire pour avoir cet argent qui reste. Je dois aider Kimé Funa à aller en ville. Hein? Comment aurais-je cette somme d'argent? Attends. Non, je ne peux pas voler. C'est contre la nature. Mais je pense que je dois le faire. Si je le fais, il va encore beaucoup plus m'aimer. Mais comment je vais alors le faire? Ifani est à la maison. Hein? Je dois trouver une solution. Chioka, je vais à la forêt. Je dois chercher des bois de chauffage. Ok. Alors, s'il te plaît, n'oublie pas de me faire quelque chose à manger. T'inquiète, je te ferai un truc à manger avant ton retour. D'accord. Au revoir, merci. Sois sage, hein? Thank you.
J'ai oublié ma machette dans la maison. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Tu ne parais pas tranquille. Ah bon? Comment ça? Je vais bien. Ok, je l'espère bien. Alors à plus. D'accord, j'espère que tu n'as rien oublié encore. Oh, non. Es-tu sûr? Oui. Ok, bon, allez. Hey! Seigneur, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ok. Là-dedans, il y a 70 000. C'est... 70 000? N'ose pas crier. Je veux que tu prennes cet argent et que tu quittes ce village immédiatement. Prends. Non, chérie. Je ne peux pas prendre cet argent. Où est-ce que tu l'as trouvé? Ce n'est pas le temps de poser des questions. Prends juste l'argent et va-t'en, s'il te plaît. Vas-y. T'inquiète, je te dirai tout après. S'il te plaît, d'où est-ce que tu as pris cet argent? Est-ce que tu l'as volé? Comment est-ce que tu l'as trouvé? C'est pas un problème, s'il te plaît. Écoute, je t'ai promis que je te dirai après. Même au téléphone, je t'appelle, je te dirai tout après. Va juste en ville, s'il te plaît. Merci énormément. Lorsque je vais arriver en ville et que j'aurai un téléphone, je vais passer mon numéro à mon frère pour que tu m'appelles. Ok. Et je te promets, une fois que je vais revenir ici au village, je vais t'épouser. D'accord? Je t'aime énormément. Je t'aime. Merci. Aussi. Merci. Vas-y, chérie. Je te le promets. Je vais t'attendre, mon amour, ok? Merci, d'accord. Prends soin de toi. Vice-présidente, entre à l'intérieur de moi l'argent, je veux partir, s'il te plaît, non? Dépêche-toi. Ok, d'accord, laisse-moi le prendre. D'accord, dépêche-toi. Es-tu en train de venir? J'arrive. Je prends juste quelque chose. Ne t'inquiète pas, hein? J'arrive. Ok. Ah. Madame Florence. Dis-moi, où est l'argent? Ben, pourquoi est-ce que tu tournes comme ça? Où est l'argent? Tu le cherches à l'extérieur ici? Je ne trouve pas l'argent. Madame Elisa, s'il te plaît, dis-moi que tu es en train de blaguer. S'il te plaît, où? Je ne blague pas, je te dis vrai. Je l'ai cherché partout, mais je ne trouve pas. Tu m'as vraiment donné cet argent. M'as-tu donné cet argent? Es-tu sûre de me l'avoir donné? Madame Elisa, veux-tu m'accuser ou quoi? Je te l'avais donné ici. On était assis ici avec toi. Et ta fille était de l'autre côté. Es-tu sûre? Je suis sûre, oui. Madame, es-tu sûre de m'avoir donné cet argent parce que je ne la trouve pas? Ça veut dire quoi, ça? Il faut bien réfléchir. Ça, c'est ma maison. Je cherchais partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Madame Elisa, s'il te plaît, va chercher là-bas à l'intérieur. Va là-bas et cherche-le très bien. Je t'attends ici. Dépêche-toi. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire, oh. Tu n'es que, oh. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Hey! Madame Elisa! Tu vois les larmes que tu veux faire couler maintenant, là? Ce sont des larmes des crocodiles, oh. Si tu sais ce qui est bon pour toi. D'ailleurs, où sont tes enfants? Tu leur as demandé? S'il te plaît, Madame Florence, laisse mes enfants dehors de ça. Parce qu'ils ne peuvent jamais faire ça. Ils ne sont pas de voleurs. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'ai pas élevé tes enfants avec toi. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent du traitement de notre leader. Et le docteur nous attend. Va prendre l'argent à l'intérieur, s'il te plaît, je t'attends ici. Fais sortir l'argent et nous allons pas lui donner. Fais vite. Dieu. Écoute, viens, suis-moi, nous allons chercher. C'est quoi ça? Cherche l'argent. Viens avec moi, viens, nous allons le chercher ensemble. Je te dis que je ne le trouve pas, mais tu es là en train de crier. D'abord, je ne sais pas si vraiment tu m'avais donné cet argent, je ne comprends plus rien. Madame Elisa, s'il te plaît, ne m'accuse pas.
Je suis sûre de t'avoir donné cet argent. Si tu savais les efforts que j'avais consentis pour avoir cet argent auprès de villageois ici, je n'allais pas faire ce que tu me dis là-haut. S'il te plaît, fais-le. Donne l'argent maintenant, nous allons partir. Je pars demander au docteur de nous accorder encore un peu du temps pour que tu trouves l'argent. Alors entre là-bas, cherche très bien. Cherche dans toute la maison, tout le coin. Et trouve cet argent. Comme ça, à mon retour, je vais le prendre et nous allons passer chez le docteur vite. Notre leader! Oh! Qu'est-ce que je veux faire? Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais dire? Oh! Hey! Mon Dieu! Tomato. Chuko. Oui, maman. Avez-vous vu l'argent que les gens ont contribué? Je l'avais mis là dans ma chambre. Qui l'a vu? L'argent de contribution? Oui, l'argent que les gens ont contribué pour la leader de femmes. Quelqu'un d'entre vous l'a vu? Maman, je n'ai pas vu l'argent ici. Oh. Tu n'as pas vu l'argent? Maman, tu sais que je ne suis pas un voleur. Tu devais demander à Chiamaka. Parce que je l'avais vu en train de tourner autour de ta chambre. Hein? Bien, bien. Écoute, je vais te dire. Arrête-toi là. Alors, comme ça, tu entres maintenant dans la chambre? Maman, j'étais juste entrée là-bas pour prendre tes vêtements sales pour laver. Mes vêtements sales pour laver? Hein? Ifani, respecte-toi. J'ai dit assez. Ça suffit. Hey, Chukuna, Dieu aide-moi. Sais-tu que cet argent a été récolté pour la leader de femme? Et l'ont mis à l'hôpital. Cet argent est pour tout le village qui ont contribué pour la leader de femmes. Et tu sais que je ne peux pas payer cet argent parce que je n'en ai pas. Maman, je suis sûre que cet argent se trouve dans cette maison. Nous devons juste chercher dans cette maison. On va le trouver. Ça se trouve là-dedans. C'est ça, non? Vous l'avez cherché? Savez-vous comment est-ce que j'ai tout éparpillé? Je cherchais à gauche et à droite ou encore. Où est-ce que je vais le trouver? Le village ne va pas me pardonner, ni vous. Ils vont nous tuer, ils vont nous pendre. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Ifani, allons chercher. Allez à l'intérieur et trouvez-moi cet argent. Allons. Allez. Cherchez partout. Maman, réveille-toi, non, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, réveille-toi. Docteur, dépêchez-vous, docteur. Oui. Lève-toi, le docteur est là, quitte d'abord. Docteur, qu'est-ce qu'il y a?
Parle-nous. Elle est morte. Hey! Hey, maman, non! Non, 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 maman! Hey! Elisabeth, tu nous as tué! Elisabeth! Tu nous as tué, Elisabeth! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Maman, réveille-toi, Jésus, là, maman! 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 Il faut, maman, ça suffit! Il faut, maman! Réveille-toi! Ça suffit, oh! Il faut, maman! S'il te plaît, oh! S'il te plaît! S'il te plaît, un peu de courage, s'il te plaît, oh mon Dieu, Elisabeth, tu l'as tué. Non, maman, courage, maman, réveille-toi. Il faut, maman, courage, ma fille, s'il te plaît, maman, réveille-toi, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman, courage, ma fille, lève-toi d'abord. Courage, s'il te plaît, ou arrête de faire ça. Je t'en supplie, oh. Hey, mon Dieu. Hey, Elisabeth, tu nous as tués. Tu nous as tués, Maman. Maman, as-tu mis le cube que je t'avais donné? Oui, maman, je l'ai fait. Ifaï, tu... Oui, maman. Dépêche-toi, tu vas aller à la rivière. D'accord, maman, je fais le dialogue. Tiens, Maka, as-tu attendu ça? Est-ce qu'ils viennent ici? D'où est-ce que ça provient? Essaye de bien écouter. Madame Elisabeth, tous les villageois avaient contribué pour le traitement de notre leader de femme. Et voilà maintenant, tu n'as pas donné cet argent. Et notre leader est morte. Et tous les villageois ici ont décidé que tu prendras en charge ses funérailles. Oui. Et précisément dans 6 semaines du marché, toi et ta famille serez excommuniés. Oui. Ai-je bien parlé? Oui. Nous sommes partis. Maman, s'il te plaît, Maman, va te soir, maman. Ça va se passer très bien, d'accord, maman? Allez-y, doucement, maman. Maman, Ifani, porte-la très bien, non? Reste-toi, maman. Maman, s'il te plaît. Maman. Oui, maman. Maman, Ifani, s'il te plaît, je vous arrive.
Maman. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ça fait une semaine que tu es en train de pleurer. Hein? Arrête de pleurer. Je suis arrivée à la paix, oh mamie. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Par où je vais commencer? Et où est-ce que je vais trouver l'argent pour le funérail de la mineure de femme? Et où est-ce que je vais trouver cette somme d'argent? Qui peut bien me les donner? Je vais demander à qui? Je ne sais pas où commencer. Maman. Qu'est-ce que je veux faire? Maman, pleurer ne va pas du tout résoudre le problème. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu sais très bien que tu souffres de l'hypertension. Arrête de faire ça, s'il te plaît, maman. Tu risques de te faire du mal, je t'en prie. Arrête. Maman. S'il te plaît, maman. Arrête. Maman, Fanny! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, va chercher de l'eau, Maman, tranquille, maman, appuie-toi, maman, ça va bien se passer, d'accord? Calme-toi, maman. Docteur Dieu, merci que je vous ai rencontré, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, venez aider ma mère, elles ne sont pas très bien à la maison, s'il vous plaît, venez l'aider. Tu veux que moi je vienne voir ta mère? Oui, docteur. As-tu déjà oublié que ta mère est la cause de la mort de notre leader de femme? C'est ça? Je ne peux en aucun jamais venir voir ta mère. Docteur, s'il vous plaît, docteur, je veux que ma mère puisse mourir, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, venez m'aider. Est-ce que tu peux, tu peux arrêter de me déranger? Laisse-moi libre, s'il te plaît. Je vais maintenant en clinique. Arrête de me déranger. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Docteur, s'il vous plaît, docteur, aidez-moi, docteur. Oui, c'est bon, quelle heure? S'il vous plaît, docteur. Désolé, docteur. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Qu'est-ce que je veux faire? Docteur! Zemo Kondimbo Ifane Mene Utemo Amarozi ni fengeme Anyatala kukobo tweza nyisi achaye Biko Maman, je ne fais pas ça. Maman, je te supplie, ne fais pas ça, maman. Adjeté, où es-tu? Adjeté, maman, ne fais pas ça. Maman, adjeté, maman. De l'aide, adjeté, où es-tu? Maman, ne fais pas ça. Maman. Oh, maman, pas jusque-là, maman. Maman, aie pitié, maman. Maman, réveille-toi. Adjeté, s'il te plaît, réveille-toi, maman est morte. Maman. Adjeté, réveille, maman. Maman, ne plus avec nous. Maman, arrête de faire ça. Adjeté, réveille, maman. Réveille, maman. Au-delà de tout ça, tu dois bien prendre soin de ton frère. S'il te plaît, arrête de pleurer. C'est bon. Oh Dieu. Mon père est mort il y a de cela 2 ans. Et maintenant, là, c'est ma mère. Je suis restée seule dans ce monde. Tu m'as, moi. Je suis juste là pour toi. S'il te plaît, tu dois arrêter de pleurer. S'il te plaît. Mmh.
m'aime. C'est bon, arrête. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Chiamaka. Je reste seul dans ce monde. C'est bon, ça va aller. Ça va aller, je suis là. Je serai toujours là pour toi. C'est bon, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ça va aller, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est bon. Ça va aller, ma chérie. C'est bon, sois forte. Je suis là pour toi et je serai toujours là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand est-ce que tu vas apprendre à gérer comme une grande fille que tu es? Papa, la nourriture est déjà prête. Allez-y manger. Regarde, on épouse tes amis. On épouse tes amis. Et tu es là, tu me parles de la soupe. Écoute-moi bien, ne jure pas, ne jure pas. Tu vas tout finir. Papa, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein? C'est ça ton idée. C'est qui celui-là? Hey. Oh mon Dieu, mon grand frère! Grand frère! Bienvenue! Grand frère! Grand frère, hey. Bien, merci! Mon Dieu, merci énormément! Frère, mon Dieu! Hey! Mon fils! Hey! Papa. Mon fils! Mon fils! Bienvenue! Merci! Hey! Hey. C'est toi là? Papa! Hein? Je te l'avais dit que je vais travailler très très dur. Uh-huh. Je t'avais dit que je vais me battre. Hey, mon et fils, tu l'avais dit. Tu l'avais dit et je te crois. Tu vois cette voiture? Elle fait partie de mes autres voitures. Et tu vois cette maison? Comment est-ce que mon père et ma soeur peuvent vivre dans une telle maison? Pourquoi? Pendant que j'ai gagné beaucoup d'argent. Hey. J'ai même pas besoin d'acheter une maison. Et tu vois cette maison? Hey. Hein? Non. Nous avons longtemps demeuré ici. Et nous allons maintenant construire un beau manoir qui sera confortable pour nous. C'est vrai. Celui-ci, c'est mon fils qui parle. Mon fils à moi. Oh, mon fils. Ne t'inquiète pas. Alors, prends ça. Ne t'inquiète pas. Et ça aussi. Ne t'inquiète pas, oh. Et mon fils. Mon fils, ne t'inquiète pas, oh. Mon fils, ne t'inquiète pas, oh. Ne t'inquiète pas. Chiamaka, Devine. Je ne suis pas faute en devinette. Il t'aime venir revenir avec une belle voiture. C'est pas vrai. Je t'ai dit la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma mère était morte. C'est comme ça que ça s'est passé.
Je suis désolée, d'accord? C'est bon. Je suis maintenant de retour. Et j'ai maintenant de l'argent. Hmm? Tu m'as beaucoup manqué. Tu sais, j'avais envie d'aller en Afrique du Sud, mais je m'étais dit que je devais d'abord revenir. Pour me marier à toi, et comme ça on pourra voyager ensemble. Chérie? Oui? Peux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je t'aime beaucoup et je suis impatiente de passer le reste de ma vie avec toi. C'est très bien. Mais avant tout d'abord, j'aimerais que nous fassions un tour aux cliniques du village pour que nous passions des tests nécessaires. Ok, je ferai tout pour toi. Allons-y alors. Attends. Avant que je n'oublie, j'ai quelque chose pour toi. $1? Ouais. Allez, prends. 1, 2, hey. 3, 4, 5, 6, 7, okay. 8 et 9. Oh, merci beaucoup, merci. Tu as amené $2? Ouais. Et j'en ai encore beaucoup. Oh, mais non, tu es riche, chérie. Attends, allons d'abord. Viens. Attends que j'ouvre pour toi la portière. Mon cher, c'était Kiki Mofuné de retour et il est revenu avec une grosse voiture. Mec, pendant que tu parles d'un grand véhicule, il est en train de dépenser de l'argent dans tout ce village. Ah, es-tu sérieux? Mon cher, je dois aller le voir. Pour que je le rejoigne en ville, je suis fatigué de ce village, je vais gagner plus d'argent. Donc tu veux aller le rencontrer, n'est-ce pas? Et tu laisses elle à désirer de grandes choses? Tu sais que moi aussi, je vais aller en ville, je dois avoir beaucoup d'argent, mec. Nous irons les rencontrer ensemble. Je suis fatigué de vivre ici dans ce village. Tout ce qu'il fait, moi aussi je vais le faire. Je suis fatigué de vivre ici. Je vais aller en ville. Et lorsque je vais revenir, j'aurai beaucoup d'argent. Comme ça, je vais dépenser comme lui. Mec, moi également. Je suis vraiment fatigué. En fait, allons maintenant. Allons voir s'il peut être à la maison. Ah, d'accord. Ike Mefuna, tu es de type AS. Alors qu'elle aussi est de type AS. Ça veut dire que vous deux n'êtes pas compatibles. Mais je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que vous deux, vous ne pouvez pas vous marier. Hein? Je m'excuse. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Nos types génétiques ne vont pas ensemble. On ne peut pas se marier. Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ces génotypes? Bébé, on ne peut pas se marier. Hey. Ah. Hey. Mon Dieu. Papa, cette fille, elle a beaucoup fait pour moi. Elle a beaucoup fait, papa. Je sais, mais tu ne peux pas l'épouser. Tu veux donner naissance aux enfants maladifs? Non, mais Ichiamaka... Il n'y a rien à discuter, hein? Il n'y a rien à discuter. Ya, tu parles de quoi? Hein? Récompense-la et épouse la femme de ton choix. Rappelle-toi, tu sais que c'est le moment que tu devrais aller en ville pour les processus de tes documents. Le temps n'attend personne, hein? Papa, mais c'est Ichiamaka qui m'a offert la vie que je vis maintenant.
C'est à cause d'elle que je vis tout ce que je vis maintenant. Peu importe, mon fils. Mais la vérité en face de toi, nous ne sommes pas Dieu qui t'a créé à S. Et il a créé Chiamaka à S. Trouve une autre femme et continue la vie. Oui, est-ce que c'est difficile à me comprendre? As you make your bed, then I saw you lie on top of. If you sow kata kata, you go reap jaga jaga. If you sow tomato, you go chop tomato. Aye. Mon père a raison. Je vais juste la récompenser. Je sais qu'elle a beaucoup sacrifié pour moi, mais je ne peux pas l'épouser. Je ne veux pas que mes enfants qui ne sont pas encore nés finissent que de maladie. Ils ne vont jamais me pardonner. Oui, je vais la récompenser. Je lui donnerai un peu d'argent pour commencer une nouvelle vie. Ma chérie, je suis désolé, mais ça ne va pas marcher. Chérie, s'il te plaît, rentre à l'hôpital pour changer ses examens d'électrophorèse, s'il te plaît. Changer quoi? On ne peut pas le changer, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, alors, écoute-moi maintenant. Je t'enverrai la somme de 500 000 naira. Tu pourras l'utiliser pour commencer une nouvelle vie, non, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie d'argent. C'est de toi que j'ai envie, s'il te plaît. Mais le problème, c'est que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est toi que j'aime. J'aimerais passer. Écoute, tu dois essayer de me comprendre. Ça ne pourra pas marcher. Et ce n'est même pas de ma faute. Ça ne l'est pas. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, arrête un peu tout ça. S'il te plaît, arrête. Ça ne peut pas marcher. Et Chiamaka, est-ce que tu ne comprends pas? S'il te plaît. Maintenant, permets-moi de partir. Comme tu ne veux pas comprendre, s'il te plaît. Et Chiamaka, arrête. S'il te plaît. Est-ce que tu ne me comprends pas? Ça ne pourra pas marcher. Je ne peux pas donner naissance à des enfants qui ne sont pas de maladif. Excuse-moi. Arrête ça, Chiamaka, arrête. S'il te plaît, ferme, ouvre. S'il te plaît, ouvre, s'il te plaît. S'il te plaît, et que mes fondes. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Chiamaka, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu pleures? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Chiamaka, pourquoi tu es en train de pleurer? Ikemefuna. Ikemefuna dit qu'on ne peut pas se marier. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Pourquoi il a changé ses pensées? Notre électrophoreuse est incompatible. J'ai essayé de le supplier, mais il tient toujours. Il dit qu'on ne peut pas se marier. Qu'est-ce que je vais encore faire? Chiamaka, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas la fin du monde. Tu iras mieux, c'est bon? Crois que tout ira bien. S'il te plaît, tu dois arrêter de pleurer. Chie, ma soeur. Écoute ton ami, arrête de pleurer. S'il te plaît. Nous allons essayer de parler avec Kimefuna demain. Mais pour le moment, arrête de pleurer. Comprends ça. Ma chère, j'arrive, d'accord? Alors, prends soin d'elle. Ok. Chiamaka, tu dois arrêter ceci. Tu sais combien tu me fais souffrir. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde. Je ne pourrai pas vivre sans lui. Je te comprends parfaitement. Mais est-ce que vous pouvez vous marier alors que vous n'êtes pas compatible? Ce n'est pas bien. Sois forte, ma chérie. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas. C'est bon, ça va. Oyi na tumo, isi na wamo, aradi wazimu kodimbo, ifane mene utemo. Ikemefuna. Hein? C'est toi? Oui, c'est bien moi, ce n'est pas un fantôme que tu as vu. Tu as maintenant une grosse voiture? Celle-ci n'est qu'une de toutes les belles voitures que j'ai. Hey. Sono,
voir. Donc tu continues à rester là dans ces villages. Sous ces soleils, récoltant de la contribution. Hmm? Regarde-toi. Regarde un peu comment tu sens. À cause de cette chaleur accablante. Mais regarde-moi, non? Tu vois? J'ai donné de la valeur à cette vie misérable que j'étais. Pendant que tu continuais à errer ça et là dans ces villages, témoignant dans la pauvreté. Ikemefuna, je fais juste mon boulot, non? Tu sais quoi? Je ne suis pas comme toi. Attends que je t'aide. Hmm? Je vais te donner de l'argent. Parce que je sais que ce soleil est assez pour toi. Et c'est clair que tu sens mauvais. Hmm? Alors prends cet argent. Hey. Achète du savon et lave-moi toute cette saleté. D'accord? Oui. Attends d'abord. Pourquoi est-ce que je te donne du dollar? Pourquoi est-ce que je permets d'ailleurs à une vraie villageoise comme toi de connaître où changer du dollar? Non, 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 non. Prends ça. C'est 200 nera. Tu peux prendre ça. Si ça sera important pour toi, trouve-toi un savon de 100 nera et après apporte-moi la différence à la maison. D'accord? Tu peux prendre. Vas-y, prends. Prends. Tu peux prendre. Et rassure-toi prochainement d'avoir du temps de te reposer pour que tu ne sentes plus comme ça. Cette odeur dérange énormément. Va-t'en maintenant. J'allais oublier, s'il te plaît. Mes salutations à ton très très pauvre mari. Au revoir. Ha! Florence! Ha! Tu verras tout dans ce village. Hey! Without you, I am losing my mind. Without you, I am losing it all. Where are you? Where are you? Without you, I am losing it all. Without you, I am losing my mind. Ikenemfuna, tu penses beaucoup. Hein? Cesse de penser et continue avec ta vie. Papa, ce n'est pas du tout facile. Ça ne l'est pas. Je sais. Je sais, mon fils. Mais il n'y a plus rien que tu puisses faire. Hein? Tu dois te dépêcher pour trouver une autre femme. Rappelle-toi, la semaine prochaine, tu dois aller en ville. Tu dois faire quelque chose au plus vite. Et comment? Tu veux que je pose une fille de ce village? Et comment vais-je le faire rapidement? Tu veux que je pose une fille de ce village alors qu'Ichiamaka est la seule fille que je connais? Et comment encore? Alors, Uju, Ujumwa, oui, elle est issue d'une bonne famille et elle se comporte bien. Mais papa, comment peux-tu même dire ça? Ujumwa est la meilleure amie d'Ichiamaka. Et comment est-ce que tu t'attends que je le fasse? Bien, ne me parle pas de ça. Leur relation, c'est un enfer. Nous parlons de l'intérêt. Nous parlons de l'intérêt. Écoute, je te donne même la stratégie. Va vite découvrir si elle n'est pas aussi dans le même groupe que l'autre qu'on a abandonné. Premièrement, découvre ça. Cause avec elle. Approche-la. Tu peux apporter même le vin à sa famille. Et tu peux partir avec elle en ville. Pourquoi tu la négliges? Papa, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Et je dois d'abord penser à ça. Tu dois penser vite. Pense un peu vite, mon fils. Ça, c'est l'opportunité à ne pas rater. Pense vite. C'est quoi encore, mon fils? Oui, je comprends très bien. Essaye de leur expliquer que je suis maintenant au village. Et lorsque je vais revenir, je vais tout reparer moi-même. D'accord? D'accord, alors. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas m'envoyer tous les détails sur WhatsApp. Et lorsque je vais quitter ici, je vais le rappeler. D'accord, alors c'est bon. Oui, c'est bon, tu peux le faire aussi. Bien sûr. Bonjour, Inkena. D'accord, alors. Je te rappelle, s'il te plaît, d'accord? Bonjour, Ikenefuna. Comment ça va? Oui, ça va. Ikenefuna, ça fait quelques 2 semaines que ma soeur ne fait que pleurer. Écoute, j'ai déjà expliqué à ta soeur que mariage entre elle et moi ne va pas marcher. Mais pourquoi?
Ça veut dire quoi, pourquoi? Si je me marie à ta sœur, nous n'aurons que d'enfants qui ne seront que maladifs. Et ce n'est pas bien ça. D'accord. Et je lui ai même proposé de lui donner une somme de 500 000 naira. Mais elle a plutôt refusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Très bien. Alors, Inkemefuna, il faut quand même passer la voir comme ça et elle arrêtera de pleurer. Venir voir ta sœur ne fera aucune différence. D'accord? Je veux que tu parles avec elle comme elle ne veut pas m'entendre. Tu es son frère, elle veut au moins t'entendre. Explique-lui les dangers qu'il y a si on s'est marié. Je suis sûr qu'elle va t'entendre. C'est juste ça qu'il faut, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, peux-tu quand même... Hein? S'il te plaît, hein? Hey. Allô? Oui, je suis désolé. Ce n'est qu'une personne qui me dérange un tout petit peu. Quand je serai là en ville, je vais résoudre ce problème. Alors, essaie juste de me l'envoyer sur WhatsApp, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, 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 d'accord. Oui, oui, oui. Bonjour Ikemefuna. Comment vas-tu? Je vais bien. Où vas-tu comme ça? Je suis en train de partir chez Chiamaka. J'ai entendu ce qui est arrivé. Je suis désolée pour tout ce qui est arrivé entre vous deux. C'est bien. Je vais discuter de quelque chose d'important avec toi. Espérons qu'il n'y a pas un problème. Espérons que tout va bien. Oui, tout va bien. Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Comme les choses n'ont pas marché entre ton ami et moi, et tu es son meilleur ami, et j'ai remarqué que tu es une très bonne personne, et mon père a dit un tas de bonnes choses sur toi. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de nous? Si tu es prête d'accepter cette offre, on peut se rendre aux cliniques du village. Nous pourrons passer tous les tests nécessaires, groupe sanguin, groupe génétique. Puis nous essaierons d'évoluer ensemble. Ikemefuna, ce que tu me demandes n'est pas facile. Je vais essayer d'y réfléchir et parler à ma famille. C'est bon. Prends tout ton temps, pense à ça. Mais je veux aussi te faire savoir que je n'ai pas assez de temps ici au village. Alors tu dois vraiment essayer de te dépêcher avec ta réponse. Qu'est-il alors si on le faisait demain? Et alors, je suis sûr que là, tu pourras avoir une réponse. Ok, pas de problème. Ok, voyons-nous demain alors. D'accord. C'est demain. Bon, merci. Bye. Without you, I am losing it all. Without you, I am losing my mind. Without you, I am losing it all. Where are you? Je ne peux imaginer qu'Ikemefuna demande ma mère en mariage. Ça paraît comme une trahison. Mais ce n'est pas ma faute qu'ils ne soient pas compatibles. Ikemefuna demande ma mère en mariage. Je ne peux pas perdre cette opportunité. Je suis désolée, Chiamaka. Mais j'aime aussi des bonnes choses. Ewo ewo abuki sieme odimma ewewewewo oyimo kidio odimma ewo ewo abuki sieme odimma ewewewewe oyimo kidio odimma ifonye kwetelu ifonye kutelu ifonye metelo fuba ifonye kwetelu ifonye kutelu ifonye metelo fuba. Il faut nier quoi il faut nier coutelou, il faut nier mettre l'offre. Okuna le cabalo, on y est quoi qui est foué, okuna le cabalo. Prends ça, et ça, ajoute ça, c'est pour toi, c'est 100 de dollars. Hey! Ikemefuna! Ujo! Chimo! Ikem! Ikem, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et toi, Ujo, je crois que tu t'es mon ami. Et alors? Ce qui est bon pour toi est aussi bon pour moi. Laisse-moi me réjouir de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! S'il te plaît, partons d'ici.
Oui, allons-y, entre dans la voiture, papa. Hey, laisse-moi, je vais te gifler si tu me touches encore. Ikem, Ikem, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ikem, me sors. Ichamaka, arrête ça, non? Arrête ça, s'il te plaît. Va-t'en. Ikem, s'il te plaît, Ikem. Je vous mentis. Ikem, ouvre, 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 ouvre. Ikem, s'il te plaît. Ojo, pourquoi est-ce que tu me fais ça, Ojo, s'il te plaît? Ojo, Ojo, attends-moi, s'il te plaît. Ojo, je t'ai menti. Ojo, tu ne verras jamais la paix dans ta vie. Ojo, Ojo, attends-moi. Ojo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ojo, Ojo, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je te prenais pour ma meilleure amie. Ce n'est pas de ma faute que vous ne soyez pas compatibles. Alors nous étions allés tester, avec moi c'est possible, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi me marier avec lui. Ojo, je ne te permettrai jamais d'épouser Ikeme Funa. Moi, tu vois ces dollars? C'est l'argent pour lequel il va m'épouser. Je ne sais plus qu'est-ce que tu veux de moi, je ne sais pas, je suis déjà une femme mariée, laisse-moi tranquille. Tu n'as qu'à me laisser, qu'est-ce qu'il y a? Ojo, Ojo, ne fais pas ça. Et pour ton information, notre mariage est pour le samedi. Vas-y mourir. Ojo, Ojo, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Eh? Mais je l'ai fait déjà. Ojo, ça c'est la méchanceté. Ojo, s'il te plaît. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi. Ojo, mon argent. Ojo, laisse-moi avec mon argent. Ojo. Ojo, je t'ai maudit. Je t'ai maudit, je ne ferai jamais la paix. Ce mariage ne t'apportera que le malheur et les douleurs, je te dis. Oh, il manque Dieu. Oh, dis-moi. Ewo, ewo. Oh, vous qui s'y aimez. Oh, dis-moi. Ewe, we, we, we. Oh, il manque Dieu. Oh, dis-moi. Il faut nier Quetelou, il faut nier Coutelou, il faut nier Metelo Fouba. Il faut nier Quetelou, il faut nier Coutelou, il faut nier Metelo Fouba. Oyi na tumo, isi na wamu. Aradi rozimu kodimbo. Ifa ne mene utemo. Rozimu fengeme. Hey, Ichi, ma sœur, s'il te plaît, arrête de pleurer. Il y a déjà 3 jours et tout ce que tu fais, ce n'est que pleurer et dormir. Et tu n'as même pas encore mangé. Et s'il te plaît, je t'ai perdu, papa et maman. Hein? Alors je ne peux pas m'attarder de te perdre. Je veux que tu restes avec moi. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? Je ne veux pas que tu continues à pleurer comme ça. Arrête, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu sais que nous ne sommes qu'à deux. Hein? Je ne veux pas te perdre encore. Je t'en supplie, ne pleure plus. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. Je t'en supplie. Hein? Je t'en supplie. Arrête de pleurer et je t'en supplie, s'il te plaît. Ma seule joie est que je suis parmi les filles d'honneur de Je suis heureuse pour toi. Mon plus grand regret est que ses amis ne seront pas dans cette fête. J'ai appris qu'il fera une grande fête là-bas en Afrique. Oui, oh, c'est la vérité. Si seulement j'avais le passeport, j'allais voyager aussi avec eux pour aller assister à cette cérémonie. Comme moi, ces jours-là, je vais m'habiller très bien. Au point que Ikeme Funa serait incapable de me chasser, il va directement me présenter chez ses amis. Oui, je pense que je vais demander le numéro de Ikeme Funa. Et après le mariage, je vais le supplier de me présenter chez ses amis. Et vous pensez qu'il va vous les donner? Mes chers,
Réveillez-vous du sommeil parce que vous êtes vraiment en train de rêver. Ça ne va jamais se réaliser ce que vous pensez là. Demandez seulement à la fille comment est-ce qu'il aimait Funala. Approchez. Tu as raison. Nous allons demander à Oudjou. Comme moi, je suis prête pour ces mariages. Parce que j'aime beaucoup manger et boire. Tu as vraiment raison. Allons-y. Attendez, on doit d'abord aller au salon faire nos cheveux pour que nous ne soyons pas en retard. Vous le savez très bien, non? Ah oui. Tu as raison. Allons-y. Merci beaucoup. Ah! Oh!
J'ai eu un courrier là sans ma mère pour t'envoyer en ville. C'est qui avait causé la mort de ma mère. Ichamakasi, s'il te plaît. Ichamaka, maintenant tu as eu beaucoup d'argent. Écoute, s'il te plaît, tout ce que tu as trouvé à dire, c'est que notre électrophoreuse n'est pas compatible. Ichamaka, s'il te plaît, s'il te plaît, ce n'est pas moi. Tu es même allé très loin en épousant ma meilleure amie. Pardon, Ichamaka, s'il te plaît, pardonne-moi. Pour qu'il n'ait jamais dénigre. Et qu'il puisse se moquer de moi. S'il te plaît, Ichamaka. Aujourd'hui, je suis désolée. Aucun de nous ne sortira ici en vie. Ichamaka, s'il te plaît, tu te rappelles tout ce que nous avons traversé ensemble. Ichamaka, l'amour. Regarde ce que tu m'as poussé à faire. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. As you make your bed on a so you lie on top of. If you sow kata kata, you go reap jaga jaga. If you sow